Bonjour la famille. Nicky Menga nous a donné une fille licenciée. Nicky Menga nous a donné une fille licenciée. Toi qui insultes Nicky Menga, tu as donné à la communauté quoi? Toi qui es en train d'insulter la femme de Fally Ipupa, tu nous as donné quoi? Nicky Menga a quelque chose en main. Elle nous a donné deux filles et un garçon. Et puis, elle a fait étudier ses affaires. Aujourd'hui, nous avons une licenciée. Maman Congo, tu nous as donné quoi? Vous, les femmes qui insultez Nicky Menga, vous nous avez donné quoi dans la communauté? Bozo continue Kofinga. Vous continuez à insulter la femme qu'elle est bipolaire. Est-ce que femme bipolaire peut vous donner un licencié? Soit une licenciée. Alors, bonjour à la famille. Partagez la vidéo si vous l'aimez. Commentez. Mettez les j'aime si c'est nécessaire. Et vous qui n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne ici du Chronique du Net TV. C'est la place la plus confortable. Il y a des gens qui parlent de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Notre sœur, Nicky Menga, elle ne calcule plus Fally Ipupa. À ceux qui ne savent pas, Nicky Menga, c'est la femme des millionnaires. Nicky Menga, elle est en train de construire une maison à Brazza. Nicky Menga a une association. Elle fait beaucoup de choses dans la communauté congolaise. Ce sont les gens qui, les personnes insensées, les gens qui n'ont pas de sens. C'est eux qui sont en train de s'embrouiller sur les réseaux sociaux. Pendant que Nicky Menga a le cas bas niveau, a sauté à bas niveau. Une femme qui ne parle pas, une femme docile, une femme qui s'est donnée à 100% juste pour éduquer ses enfants et les enfants d'autres personnes aujourd'hui. Pour moi, n'a qu'à applaudir et toujours. Pourquoi la vérité blesse dans la communauté? Pourquoi on est toujours là pour faire des polémiques qui n'ont pas de sens? Notre jeune fille, notre licenciée, la fille qu'on a toujours dit l'unificatrice de la famille Ipupa, l'héritière de la dynastie Ipupa, Keina Monica Ipupa, elle n'a que relater des vérités. Il y a des gens qui sont grandis et nés en Afrique. Par la grâce de Dieu, ils sont en Occident aujourd'hui. Ils veulent que les enfants qui sont nés, grandis en Occident, puissent réfléchir comme eux, soit elles. C'est impossible. Tu as grandi sous le fouet en Afrique. Tu as grandi sous la dictature de Mobutu en Afrique. Mais les enfants que vous voyez, elles ont vu Macron, elles ont vu, je ne sais pas, l'autre président qui était avant Macron, elles ont vu François Hollande, elles ont vu beaucoup de présidents. Elles sont nées dans un pays démocratique avec une économie stable, politique stable, système éducationnel différent de votre système éducationnel. Les enfants sont habitués à dire la vérité. Pour nous, les Africains, né et grandi en Afrique, on ne conçoit pas bien les mots vérité. On est toujours là en train de protéger les mensonges au détriment de la vérité. Notre Keïna Ipupa, elle est élevée par une dame qui est juste, qui fait de la droiture. Elle ne veut pas que ses enfants soient des femmes, des filles dévergondées. Et Nicky Menga les a appris à être sincères, à ne dire que de la vérité. Si Fally ne fait pas ses devoirs, la femme
nous dit que la fille nous dit que papa ne fait pas son devoir. Mais moi, quand même, malgré ça, moi, je me suffis à moi-même. J'ai mon travail, je fais mes choses seules, je paie pour mes voyages. La femme n'a que dit la vérité. Et pendant qu'elle a dit la vérité, c'est à peu près une semaine que la communauté congolaise est en train d'analyser les paroles de la fille là. Surtout les gens qui aiment Fally Ipupa. Elle ne veut, les gens là veulent toujours qu'on puisse dire, qu'on puisse parler de Fally Ipupa positivement. C'est comme si Fally ne pourra en aucun cas avoir des erreurs. Fally Ipupa attaque un être humain. Il peut commettre des erreurs. La seule chose qu'on est en train d'interdire à Fally, son problème avec Nicky Menga, ses conflits avec sa femme Nicky Menga, qui ne soit pas le conflit des enfants. Quel que soit le problème qui est entre Fally et Nicky Menga, que Fally Ipupa épargne les enfants de leur fléau. C'est la moindre chose, la moindre des choses qu'on est en train de dire sur les réseaux sociaux. Nous qui analysons les choses objectivement. Pendant que ces gens qui cherchent des nombres de vies, les gens qui veulent réchauffer le monde, les réseaux sociaux, il ne faut que insulter la fille, insulter Nicky Menga qui n'a pas été sur les réseaux sociaux. Il y a les gens qui disent que c'est la faute de sa mère. La maman qui a appris. Oh, mais, oh, est-ce que ça vraiment c'est la faute de Nicky Menga? Est-ce que ça, c'est que la fille a dit, c'est la faute à Nicky Menga? Nicky Menga, le peu du respect que la fille a, elle est doit à Nicky Menga. Le père qui doit être responsable de l'éducation de la femme, c'est Fally. Si Fally a fui ses responsabilités d'éduquer la fille, si Fally a fui ses responsabilités de mettre de la nourriture sur la table pour la fille, si Fally n'a pas été capable de mettre un toit sur la tête de la fille, il ne faut pas condamner Nicky Menga. Ce que Nicky Menga est en train de faire, c'est le travail de Fally Ipupa. À un moment donné, si Nicky Menga a dérapé, il faut toujours faire recours à Fally, puisque c'est lui le responsable. En aucun cas, Keïna Ipupa, Keïlia et d'autres enfants ont rédigé une lettre à Fally Ipupa pour lui demander qu'il soit né. C'est Fally qui a pris le devant. Et c'est lui qui s'est décidé d'avoir les enfants. Alors il doit être responsable de tout ce qu'il faut. Il y a une dame qui m'a appelé. Si je me souviens, je vais mettre le numéro ici. Elle m'a vraiment menacé. Elle est de la famille de Fally. Selon ce qu'elle a dit, elle est au Congo, je pense. Le numéro, si je n'oublie pas, je vais le mettre ici. Elle m'a insulté avec des audios juste parce que je défendais Kenai Poupa. Mais je doute fort qu'elle soit de la famille de Fally, puisque une personne de la famille de Fally doit réfléchir deux fois avant de contredire les dires de la fille Kenai Poupa. Puisque si papa ne fait pas son devoir, le devoir, ce n'est pas seulement le devoir de l'argent. Il y a le devoir d'appel, de connaître comment les affaires évoluent. Il a le devoir et le droit d'appeler, de connaître la situation éducative des enfants. Mais s'il ne le fait pas, s'il ne le faisait pas, les enfants en ont besoin. Ce n'est pas nous les chroniqueurs, ce n'est pas vous les warriors qui ont besoin de la présence de Fally. Ce sont les enfants de Fally. Mais il y a des gens, des petits mangeurs sur les réseaux sociaux. C'est eux qui commencent à donner de la leçon morale aux enfants de Fally Ipupa. Il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas d'enfants. C'est eux qui veulent éduquer les enfants des autres. En tout cas, c'est regrettable dans la communauté congolaise. Les affaires qui pourront vraiment finir dans 5 minutes, tellement que la communauté est pauvre. Vous allez voir des personnes comme Mama Kongo qui ont passé des décennies en Europe. Une vieille dame qui est au Canada, qui a pris son temps
juste pour insulter la femme des autres. Vous oubliez que c'est Tina Ipupa qui a mené toutes ces bêtises sur les réseaux sociaux. À chaque fois qu'il y aura des problèmes dans les foyers des Fali, à chaque fois qu'il y aura des problèmes dans, dans la famille des Fali, souvenez-vous toujours de la personne qui a jeté l'huile sur les feux. C'est Tina Ipupa. Si aujourd'hui, moi, en tant que l'oncle de la fille, je fais des vidéos pour défendre toujours la fille, puisque c'est un enfant, elle est censée d'être sous couvert de son père. Son père qui l'a jeté maintenant au Wario. Il n'a pas compris qu'il doit défendre sa famille. Il n'a pas compris qu'il doit protéger ses enfants. C'est pour cela que je me suis présenté pour protéger Nikina Ipupa. Pour protéger Niki Menga. C'est ça mon travail. Maintenant, vous qui m'insultez, dites-moi ce que j'ai dit de mal. Ce que Keina a dit, est-ce qu'elle a menti? Si aujourd'hui je vous dis que Keina a besoin de son, pape, de son père, où est le problème? Est-ce que ça vous gêne où? Si je dis que Keina a besoin de la présence masculine dans sa vie, où est votre problème? C'est parce que vous êtes des personnes, souvent les gens qui font des vidéos sont des gens qui boivent de l'alcool, sont des alcooliques. Ce sont des gens qui fument des chèvres. Pendant au moment où il faut des vidéos, ils ne réfléchissent plus bien. Ils sont là seulement juste pour démarrer les gens, pour inciter les gens. Ils ne réfléchissent pas. Mais nous qui avons eu de la chance de bien réfléchir, nous qui ne buvons pas, nous qui ne fumons pas, nous avons quand même l'esprit de discernement avant de dire les mots. La fille ici a besoin de notre amour. La fille qui a besoin de notre protection. Il ne faut pas éduquer la fille ici à la manière des années 80. C'est une fille qui a à peine 20 ans. Vous n'allez pas l'inculquer l'éducation du temps de Lumumba. Ça ne va pas marcher. Elle est déjà née, grandie en France. Le comportement des Français, les études en France, tout ce qui s'est fait dans sa vie, c'est la situation française. Elle connaît que les Français. Alors, quand elle vous avoue, elle vous parle de la vérité et de la réalité de sa vie, pourquoi Bino Bakia Libanda Boza Koya Koloba Azokosa? Toi, tu n'as jamais vu la fille, tu la vois sur les réseaux sociaux. Elle vit la vie. Elle vit sa vraie vie avec son père. Elle connaît son père. Elle a même dit qu'elle est la meilleure amie à son papa. Elle sait de quoi elle parle. Pourquoi vous vous agitez? Le problème des familles, ça ne regarde que la famille. Si vous aviez fait déjà des vidéos, j'espère que vous aviez de l'argent. Alors, stoppez l'hémorragie, s'il vous plaît. Il est temps de passer à d'autres choses. Laissez Keina Ipupa à calme. Laissez Fali Ipupa à calme. Laissez Niki Menga calme. Laissez Nana Ketchup calme. Évoluons. Si vous avez besoin d'insulter, de faire des analyses, c'est ouvert. Vous êtes permis, autorisé d'insulter Fali, insulter Nana, insulter Niki Menga, insulter moi. Mais laissez les affaires à dehors de ceci. Je vous aime trop. Si vous aimez la vidéo, partagez, likez, commentez. C'est moi votre oncle, l'oncle correcteur Gilmas. Bye.